Rien de vraiment précis que quelques rideaux d'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister. Mes amis sont partis, ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi. Et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Un petit hommage à Aznavour. Suivez-nous sur notre page Facebook. Un petit hommage à Aznavour. Voilà. C'était des belles chansons. Et voilà, et personne n'est éternel. 94 ans, il est mort. 94 ans. Et voilà, c'était une petite petite vidéo avant que je fasse mes courses. Ouais. Ça fait quelque chose quand même, hein. Ouais. Il y a eu le Johnny et tout ça, mais Aznavour, c'était autre chose. C'est un monument. C'était quelque chose. Il y en a comme ça ici, encore récemment en Belgique, il y a eu Morane. On voit qu'on a pris de l'âge et on a grandi avec eux en les entendant et on se rend compte que la vie, hein, elle tient à rien du tout. Elle tient à un fil. Hein. Certains partent plus tôt que les autres et ça c'est la réalité. Ça nous met face à la mort. Partout dans le monde, on en parle maintenant comme si c'était des guerres. Le moral là, ça chute un petit peu là, le moral. Entre les guerres, entre là, ce que j'ai entendu, il y a des youtubeurs qui m'avaient envoyé des messages, qui m'avait parlé de quelqu'un ou d'une femme qui se serait fait tuer en banlieue, je crois. J'ai pas très bien compris, j'ai pas très bien suivi l'affaire, mais ça devient affolant, quoi, le monde dans lequel on vit. Ça devient vraiment affolant. Enfin, voilà. On va pas retenir plus. On va arrêter là, c'est pas la peine de faire plus longtemps une vidéo. Un petit hommage à Aznavour qui nous a fait rêver, qui nous a fait surtout rendre humain avec ses chansons, je trouve. Beaucoup d'humanité dans ses chansons qui ont du sens. Pas la merde qu'on nous sert à la louche aujourd'hui. Hein? La merde, les feux follets, tout le monde saute dans tous les sens. Ça veut rien dire, il n'y a que du rythme. Ça, c'était un artiste, le gars. Purée. Des belles chansons. Ouais. Moi, mes deux chanteurs préférés. Bon, il y en a. Le français, c'est Jean-Jacques Goldman et Aznavour. C'est ça, c'est vraiment des bons. Hein. Des bons. Voilà, Jean-Jacques Goldman, on le voit plus. Il était pas mort, ils l'ont fait les Restos du Cœur ou je sais pas quoi, il était même pas là. On aurait dit qu'il était mort le jour où ils ont présenté l'émission. J'avais suivi un petit peu et je m'attendais à le voir. Et j'ai vu que finalement, non. Et ça, c'est une histoire de sûr. Hein. De détournement d'argent, hein, que l'œuvre initiale de Coluche, c'était vraiment quelque chose de sain, mais que c'est devenu du n'importe quoi, les Restos du Cœur. Et
Je pense que ouais, Jean-Jacques Goldman, il a pas voulu continuer parce qu'il voyait qu'ils étaient tous en train de trahir sa mémoire. C'est devenu plus du folklore que du business marketing que vraiment ce que c'était initialement, quoi. Voilà, je vous laisse. Il n'y a plus rien d'autre à dire, je pense, pour cette séquence. Au revoir.